Le film La bataille de Tabatou, du réalisateur Johanna Viana, a été projeté dans le cadre du Festival national du cinéma africain de Rouliga. Le film, produit en 2013, met l'accent sur la guerre de Guinée-Bissau. Et c'est un film sur un père qui vient de l'Europe pour Afrique, pour un pays qui s'appelle qui c'est la Guinée-Bissau. Et le père vient pour le mariage de sa fille, sa petite fille qui va marier une star de la musique en Guinée-Bissau. Mais en fait, après quelques temps de voyage et après la rencontre avec sa fille, il commence à venir les souvenirs de la guerre. Je représente mon pays, Guinée-Bissau, par ce film La bataille de Tabatou. Je veux la paix pour mon pays et je pense que ça va arriver. J'essaie de trouver un moyen qui permettra à notre culture de grandir à travers le monde. Après 30 ans d'exil, Bayo accepte de revenir en Guinée-Bissau à la demande de sa fille. La cérémonie doit se dérouler à Tabatou, le village des musiciens. Mais lorsqu'il retrouve les lieux de son passé, le souvenir de la guerre d'indépendance remonte à la surface.